Sirène comme pour les choix de vie. Ah, ouais. Look at the sea. Sincerité à mon dieu, tu vas l'entendre, on va m'entendre. Dignité ou amour, il y a mon dieu, il y a son papa. T'es dit quoi, je fais, si sous mon dégâté. Nagua con nagua, diante. Yoruba soy, soy lo otro mandado, todo mezclado, todo mezclado. Negro y blanco desde muy lejos. Que je suis ici aujourd'hui, pas en terrain inconnu, parce que j'ai retrouvé des amis de longue date. Adama, Conté et Aïssatou. Et je parle des milieux de Farimala. Donc, j'ai connu il y a plusieurs années dans le cadre du travail. Donc, je vais un tout petit peu expliquer mon réseau. C'est un réseau de femmes, de jeunes, et femmes entrepreneurs, de jeunes, et d'hommes. Nous offrons dans le développement. Facilitant le partenariat avec les entreprises, les entrepreneurs. Et également, nous offrons la formation aux jeunes. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de femmes. J'ai un réseau de 45 000 membres à travers le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest. Et je travaille beaucoup sur l'international. Et là, si je suis là aujourd'hui, conseillère, puisque je dis toi d'ailleurs, c'est grâce à Diop. Et c'est grâce également au docteur Bouchaïd, qui est également membre fondateur du réseau. Quand on va parler d'enfants, ce qui connaît ce terrain, c'est que son deuxième mot, c'est les enfants. Notre première sortie avec Madame la Princesse, ce sera pour d'aller faire la rencontre des jeunes. Donc, je suis très contente. Également, et je vais faire une brève présentation de mes collègues qui sont là, Madame Bunka et Marie-Tona, qui sont membres de la team, et Dr Boucher, qui est professeur de l'université. Il a des codes de formation au niveau de Tanger et de Rabat, et il est également membre fondateur du réseau des oracles, du réseau des acteurs de l'initiative. J'ai proposé le mot rapide parce que je suis très rapide. Je suis très, comment on appelle ça? Mouillez, le papa, c'est un espagnol. Lui, il est son père en Espagne. Quand il venait, il parlait plus en espagnol. Sincerité à mon dieu, tu vas me connaître.